Salut la compagnie! Bon, ben, c'est déjà la dernière chronique de la saison. Je me souviens quand j'ai commencé sur Tipeee, quelqu'un m'a dit, tu verras, en acceptant de faire des chroniques sur le service public, tu vas te faire museler, tu ne pourras plus t'exprimer librement! Merde, j'étais muselé. En même temps, qu'est-ce qu'il faut dire à la radio pour convaincre ces gens que j'étais pas muselé? Je sais. Le Covid. LA COVID! Le Covid, je dis ce que je veux. Le Covid a été créé par un homme qui s'appelle Brigitte Macron avec l'aide de Big Pharma pour enrichir François de Brigode. Voilà, c'est dit. Sinon, en semaine passée, j'ai été jouer mon spectacle à Aix-en-Provence, parce que je suis une star internationale. D'ailleurs, je tiens à remercier les 16 personnes qui sont venues me voir. Oui, je suis une star internationale, mais de façon très intime. En plus, c'était Tominou, j'ai joué à la Fontaine d'Argent, c'est un petit théâtre qui se trouve dans une cave. En même temps, tu me diras un belge qui se produit dans une cave, c'est comme jouer à la maison. Ensuite, je suis rentré au pays et je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'a interpellé. En avril dernier, le gouvernement bruxellois a approuvé le plan d'aménagement pour la zone delta Herman de Brou ce qui implique la destruction du viaduc d'Hermann de Brou. Vous connaissez les travaux publics en Belgique, hein. Entre le jour où on parle du projet, le jour où on prend des décisions, et le jour où le chantier commence, peut s'écouler une dynastie. Oui, je dis une dynastie parce qu'en politique belge, c'est souvent les fils d'eux qui reprennent le flambeau. Hein. Par exemple, Louis Michel a l'idée, son fils l'a fait voter, et son petit-fils qui n'est pas encore né mettra peut-être la première pierre. En fait, la politique belge, c'est un peu comme plus belle la vie. Tous les jours, il y a des épisodes, mais il faut dix ans avant qu'il se passe quelque chose. Du coup, quelle ne fut pas ma surprise la semaine dernière de voir le viaduc fermé. Pour la démolition? Non! Pour cause de rénovation! J'imagine que ça avait un projet encore plus vieux qui vont enfin le jour. Sauf qu'entre temps, ils ont décidé de le démolir. C'est con! On rénove un truc qu'on va démolir. Bienvenue en Belgique! J'aurais tellement voulu assister à la réunion. Bon, les gars, euh, en ce qui concerne le viaduc, on a deux scénarios possibles. Soit on le rénove, soit on le démolit. Par quoi on commence? Ben, moi, je pense que le mieux, ce serait de... De d'abord le rénover, parce qu'une fois qu'il sera démoli, on ne pourra plus le rénover. Bien vu, Roger Qui vote pour À l'unanimité, adjugé. On le rénove Tiens, entre parenthèses, rien à voir, mais en parlant de rénovation inutile, Elio Di Rupo a été opéré du genou. Voilà, fin de la parenthèse. Contre en parlant de Di Rupo, euh, dimanche, à l'occasion d'un congrès, il a déclaré, je cite... L'avenir des Wallons s'annonce brillant. Du coup, je me suis dit, yes! Il annonce enfin sa retraite. Non, fausse alerte. Faudra encore un peu patienter. Bon, j'aurais bien fait un gag entre son âge et la canicule, mais ça ne l'affecte pas. C'est une momie. Hein. Il est déjà complètement desséché. Sinon, suite aux inondations de 2021, des subventions ont été accordées aux communes sinistrées. Malheureusement, plus de 3 millions d'euros ont été versés à une cinquantaine de communes qui n'ont pas été Touché par les inondations. Une fois de plus, bienvenue en Belgique. Ça surprend vraiment quelqu'un Non. Hein. Dans les autres pays, ça ferait la une de tous les médias. Chez nous, c'est classé en fait divers. Il y a que la DH qui en a parlé et encore. Vite fait, hein, Des malversations en Belgique. C'est un non événement. Hein. En même temps, la ministre en charge du dossier est au Parti socialiste. J'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'un représentant de ce parti se trompe de numéro de compte quand il s'agit de faire un virement. N'importe où dans le monde, on appelle ça une erreur. Au PS, on appelle ça une déformation professionnelle. Voilà, c'est la dernière chronique de la saison. Du coup, c'est l'été. Je vais faire comme les politiciens. Je vais la fermer pendant deux mois. Ça vous fera des vacances. <laughs> je plaisante. Je continuerai d'être présent sur les réseaux. Alors, est pas belle la vie